J'ai l'exclusivité de te donner une de mes images, la photo qui montre moi, Yoroswag, quand il était dans l'armée, à 9 ans. Tu vois ta langue? Oui. Regarde ça. Mais, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je ne peux pas me rallier, moi. Moi, quelqu'un comme moi, ne peut pas me rallier devant quelqu'un qui a gagné sa vie devant moi. L'émission que tu as fait avec mon frère Sankara, écoutez. Mais rien que la vérité, Sankara dit que Sankara, la vérité, il ne peut pas dire que la vérité parce que tout ce qu'il a dit là, il a menti. Oh! Je ne peux pas accepter que quelqu'un comme Sankara. Quelqu'un comme Sankara. Vous êtes sous-estimé. Écoutez, c'est un individu. Oh! Donc, le respect là doit être mutuel, réciproque. Je te respecte, tu me respectes. Au moment où, à la seconde où tu ne me respectes pas, c'est fini pour toi. Oh! Elle ne pense même pas que ça va avoir encore lieu. Non. Donc, dès que tu dépasses Sankara, tel qu'il est, il a gagné sa vie. Sans les noms là qu'il a cités ici là. Vous comprenez? Les noms d'Abed Achou. Aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup adoré des antivaleurs dans ces pays. Des antivaleurs? On a adoré beaucoup des antivaleurs, je te redis. C'est-à-dire? Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est la conscience qui nous rappelle. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité ou d'information, ensemble avec le votre Bakali Prince. Très heureux de vous savoir très nombreux, fidèles internautes, parce qu'aujourd'hui je reçois les pères de la nation. Yoroswag, avec qui on va en parler, parce que l'actualité oblige en tout cas. Ma propos, mon résultat tenu pour Naye, à l'obi, il faut à ça la droit de réponse. Merci également à toi, Franklin Bassala. Et puis, la réalisation de cette émission est assurée par Jordi, avec qui je suis là avec lui. Et la qualité des images est tellement impeccable parce que c'est lui qui assure. Merci mes différents partenaires, puis sponsors officiels. Ya Jamal Mukuna, papa social, papa confort, made in London, bientôt. Tozo Ningisa Mokili. Ya Jamal Mukuna, papa social, pour retenir comme on a bien. Bon séjour à Kinshasa, ya Willy Moucheni, Koda Mboka, via Petinaye. Merci à toi, ya Willy Moucheni, Koda Mboka, Dede Lukasi Kachmani, ya Madame Mamisa. Merci, champion Adol, Mokonza La Rochelle. Et puis, fou le Luki sous chinois noir, mais c'est le président. Yé Aza responsable de la Congolais, nous sommes dans le continent de l'Asie. Mais c'est fou le Luki sous chinois noir. Nixon Boutique. Molati, c'est la bière de luxe, la grande moisson opérateur économique Nixon Boutique. Boni, boni, basangoya, Didier Boutu, Obi et les mineurs d'Anisha Nune, chinois congolais. Je reçois le père de la nation, il est là. Il va faire déjà son entrée parce que yende côté maloba à loba. Tout sauf rien. Abi Lelo, Azana Kanda. Yangwana Memel Bisso Lelo, Abiema Moko. Faut sentir. A la télévision pénale, Abiema Yaba bourgeois. Nenge ya Jamal Mukuna, papa social alinga rolate la. Mama Emeline Zemba ya tous pepele ya mbetolo ya Marie Hélène Linongi, mama patronne ya MHLMB ya Marie Hélène Linongi, made in London. Jean-Paul Welli de London ya Madame Merveline, mama na Kenaya. Jean-Paul Welli de London, ya Willy Pessiene, les bailleurs de fonds. Nazo ya Melabino, les pères de la nation, Yoroswag, les pères de la nation, Yoroswag. En tout cas, les lotes au tout sauf rien à yé. Yoroswag, le père de la nation, Yoroswag. Il est là, en tout cas, excusez, le père de la nation, Yoroswag, bonjour. Dis bonjour à la star du moment. La star du moment, bonjour, vous allez bien? Qui chante comme Beyoncé et Nicki Minaj. Ah, elle chante comme Beyoncé? Oui. Comme Cindy Lecker aussi également. En tout cas, elle a la même voix que Cindy Lecker. Ouais. Parce que... Quand je vois au Congo, on peut avoir que deux personnes qui chantent comme Whitney Houston. Hein. Oh! Ouais. Qui est qui?
Laetitia Lecoy et Pamela, j'oublie son nom de famille. Oh. Ouais. Ah. Tous les deux, ce sont des enfants de Lecoy Kanza. Ok. Voilà. 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 Bon, ma chérie. Continue à jouer ta guitare, je te rappelle tout à l'heure, dès que j'ai fini. Ok? Ok, ciao, ciao. C'est qui là? C'est ta femme? Bonjour non, d'abord. Non, c'est ma collègue. Oh! Oui. Merci, non, bonjour d'abord. Bonjour, mon frère. Très bien habillé. Toujours, ça ne peut pas, ça jamais. Oh. Depuis que j'ai chanté Fatshi Béton, moi-même, je me sens déjà honorable. Sénateur, tout ça là. Moi, même conseiller spécial de c'est le premier ministre, ça m'a le voilà. Vous avez mérité ma poste, on en a bien ma haut. Rien que à sa bien. Ah. Oui, oui. Mais il y a aussi nos commandes à l'air, hein. Bien ma cigare, il y a luxe, boy. Non, vous savez, moi, je bois. Moi, je m'aime boire. Moi, je fume que deux cigares dans ma vie. Oh. Ouais. Horatio et puis ben Koiba. Mais les kékés pèsent à la pour la bourgeois, les kékés. Qui ça? Moi, je ne connais pas ce nom-là. Voilà. Oui, bien, je vais quand même féliciter, tu vas bien partout dans mon kili. Le lobby, émission, il y a eu son interview, il y a eu un clôturé. Babi, félicitations à Yorobo, vous avez mérité, vous avez mis mon zénith. Non, pour mériter là. Mm. Donc pour mériter, il n'y a pas que Wera son. Vous savez, Prince Bakali souvent me fait très mal. Wera son, il a vu en moi qu'il y a du potentiel. Mm. Faut exploiter. Très bien. Vous voyez un peu? Mm. Maintenant, c'est pareillement comme Laurent Désiré Kabila, le père, paix à son âme, avait vu en moi qui avait du potentiel à exploiter pour la nation. Oh. Oui. Maintenant, aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, un individu, individu, ce n'est pas insulté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas français. Très bien. Quand tu dis un individu, directement, on t'a insulté. Voilà. Un individu, ça veut dire une personne, X ou Z. Venir raconter, comme ils sont habitués de raconter en racontant, ou racontant en raconter. Donc, il faut les laisser parler. Très bien. Mais, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je ne peux pas me rallier, moi, quelqu'un comme moi, ne peux pas me rallier devant quelqu'un qui a gagné sa vie devant moi. Je ne peux pas me rallier devant quelqu'un qui me traite comme si j'étais moins que rien. Je ne peux pas me rallier devant quelqu'un qui s'en fout de ma personnalité ou bien qui boycotte mes valeurs. Très bien. Donc, le respect là doit être mutuel, réciproque. Je te respecte, tu me respectes. Au moment où à la seconde où tu ne me respectes pas, c'est fini pour toi. Oh. Elle ne pense même pas que ça va avoir encore lieu. Non. Donc, dès que tu dépasses, il faut être humain pour réfléchir à un moment donné, m'écrire en privé. Mon frère, pardonne-moi, peut-être c'était trop de choses. Okay. Mais au moment où tu fais genre que, mon frère, moi, j'en ai rien à prouver à ma nation. Personne ne te ment, Prince Bakali. J'en ai rien à prouver à ma nation. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai l'exclusivité de te donner une de mes images, la photo qui montre moi, Yoro Swag, quand il était dans l'armée, à 9 ans. Tu regardes ça? Oui, regarde ça. Visez internautes, regardons d'abord ensemble cette image, cette photo de Yoro Swag, Tango Azalaki dans l'armée. Et puis, on va se retrouver tout juste après pour faire un tout petit peu la lecture sur cette photo. Suivez ça. Alors, Yoro Swag, tu as la photo, Anna, tant que ça a armé, mais au côté armé, qui n'a pas moins aboyé. Pourquoi mais quand même, on relate une petite histoire, mais au côté armé, dans qui bon moins et puis accepter.
Mais mon album, il y a Yoro Rao Maj. Écoutez, très bien. On vient de regarder ma vie précédente, non? Très bien. Maintenant, je te chante des morceaux qu'on chantait quand on venait pour libérer Kinshasa. Ok. Maintenant, aujourd'hui, 23 ans après, j'ai changé ça. Parce qu'il y a souvent des souvenirs diaboliques, démoniaques, des souvenirs envoûtements familial. Oh. Donc, aujourd'hui, j'ai enlevé ça dans le sens négatif. J'ai mis ça dans le sens positif. Ok. Ça a changé. Ok. Donajoguru mungu gizi anatulinda pagaleo. Mina wazamatebe. Donajoguru mungu gizi anatuchunga pagaleo. Mina wazakidote. Watoto arumangabu, watoto amatebe, watoto akidote. Star yenu yoyo. Yoro soaga. Le coroi est coroi. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas peur de quelqu'un. Mais il respecte les gens. Voilà. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand vous avez cité trois personnes, je suis venu répondre le nom de trois personnes. On va y arriver. Non, d'abord ça. Parce que moi, d'abord ça. La dernière fois, quand il y avait des saletés, là, je suis venu recadrer les gens. Très bien. Droit de réponse. Aujourd'hui, l'émission que tu as fait avec mon frère Sankara. Écoutez. Mais rien que la vérité, Sankara dit que Sankara, il ne peut pas dire que la vérité parce que tout ce qu'il a dit là, il a menti. Je ne peux pas accepter que quelqu'un comme Sankara. Quelqu'un comme Sankara. Vous avez sous-estimé. Écoutez, c'est un individu. Quelqu'un comme Sankara. Écoutez-moi. Attends. Sankara Nambanga. Je ne suis pas en train d'insulter mon frère. C'est mon meilleur ami. Oui. Sankara, c'est mon meilleur ami. On doit bengler individu. Non, je lui prends le terme d'individu parce que c'est un individu. Moi, je suis un individu. Si tu veux t'adresser à moi, individu, ce n'est pas une insulte. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'à sa personne. Donc j'avise directement Sankara. Mon ami écoutez, mon ami, mon frère, il connaît qu'il est comme ça, donc tu n'as pas besoin de le rappeler. Je voulais juste te dire quoi. Bon, Sankara, tel qu'il est, il a gagné sa vie. Sans les noms là qu'il a cités ici là. Vous comprenez? Les noms d'Abed Achour, Soulé Kaouka. Rien à voir. Sankara même il est plus connu que tous ces noms-là. Donc, je vais te dire quoi. Je te dis quoi? Bon. Mon frère Sankara de Kunta. Mon ami Sankara de Kunta. Même mon meilleur ami. Je vais arriver loin pour te montrer l'amour que j'ai pour toi. Bien que tu es en colère. Bien que je suis très en colère. Aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup adoré des antivaleurs dans ce pays. Des antivaleurs? On a adoré beaucoup des antivaleurs, je te redis. C'est-à-dire? Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui. C'est la conscience qui nous rappelle que ce pays nous appartient. On n'a pas un autre pays à part le Congo. Très bien. Donc à un moment donné, il ne faut pas tamiser. Vous comprenez? Moi aujourd'hui, moi je ne peux pas adorer quelqu'un qui fait du mal aux Congolais. Moi je ne peux pas adorer quelqu'un s'il est en train de tuer les Congolais ou en train de faire souffrir les Congolais pour les sentiments d'un petit argent qui ne peut pas me faire nourrir un mois. Mais donc moi j'ai venu m'incliner. Écoutez, laisse-moi d'abord parler. Bakali, je suis très énervé. Ok, je ne me pousse pas. Non, désolé. Voilà. Désolé. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire du mal à ma nation pour faire plaisir à un individu. Est-ce qu'on se comprend? Très très bien. Moi je suis arrivé à 97 avec Laurent Désiré Kabila. Je suis fier de le dire. Je suis fier de l'être. Je suis le seul Kadogo qui n'a jamais trahi ce qu'on appelle les 17 mains. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Est-ce qu'on se comprend? Très très bien. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il y a quelque chose d'infidélité, d'amitié. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on doit se respecter. Vous comprenez? On doit se respecter. Si vous êtes un patron, vous savez que vous êtes incapable de réaliser quelque chose. Il ne faut pas promettre. Ok. Vous comprenez? Il ne faut pas promettre. Apparemment, il y a des comptes à rendre. Attendez, quand tu dis à quelqu'un,
Les jours que je serai quelqu'un, toi et moi, on est des amis, non? Ouais. Nous galérons. Ouais. Le jour que tu dis à quelqu'un comme ton meilleur ami que vous avez galéré ensemble, que le jour que je serai quelqu'un, mon frère, ouais. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Moi, je vais changer vos vies. Moi, je vais faire de vous des vedettes de ce pays. Moi, je vais honorer cet amour d'amitié que vous m'avez donné quand je suis rien. Sur les plans financiers aussi. Tout. Quand vous promettez à quelqu'un, on ne t'a pas forcé. Ok. Je commence d'abord, Abed Achou. Oh, patron Bogos. Abed Achou, je t'avais dit que... Donc, je ne pourrais pas mettre nos papas, nos grands frères, nos vieux pères. Mettons nos vieux pères en dehors de ça. Donc, cette histoire maintenant, j'écarte, je mets nos papas là, qui ont commencé la musique avant nous, qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui dans la musique congolaise. Très bien. Ils ont vécu leur vie. Mais nous, on n'est qu'à peine en train de commencer. À peine, je te dis. À peine commencer. Ouais. Mais nous voulons montrer aux gens, nous voulons vendre des fausses rêves aux gens, nous voulons impressionner les gens. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Pareillement pour les jeunes patrons. Moi, je te suis attentivement. Pareillement pour les petits jeunes patrons. Les petits jeunes patrons. Donc, quand je te dis, c'est comme un envoûtement, c'est comme une pandémie. Donc, ça commence par les artistes qui veulent impressionner, vendre des rêves qui n'ont jamais existé. Et ça prie les nouveaux riches, les petits patrons. Parce qu'ils ont soigné pendant trois combats. Et puis, ça sort de là. Ça a même de la politique. Donc, aujourd'hui, je suis venu décortiquer ça. Tous les trois systèmes. Tous les trois systèmes, on s'en carte. Attendez. Abed Achou, c'est un frère pour moi. Un patron aussi pour toi. Non, c'est pas d'abord un patron. Il me paye pas, il me nourrit pas. Écoute-moi. Ok. Bakali, aujourd'hui, je vais te donner un conseil devant le monde entier qui nous regarde. Ok. Il faut te donner du valeur. Car, choisis qui tu peux appeler patron. Ouais. Ne choisis pas quelqu'un qui te donne 100 dollars, mon frère. Comme de Ya Jamal Mukuna. Choisis des gens, quand tu dis patron, ça veut dire que quand tu es malade, très très bien. Ils sont là. Ça veut dire que quand vous êtes en train de. Vous êtes dans les bonnets, vous buvez des champagnes. Ils sont là. Ça veut dire que quand vous êtes dans la merde, ils sont là. Papa. Moi, je regrette. Aujourd'hui, si je vais dire quelque chose pour Abed Achou, pourquoi vous allez être mécontent tant que si il y a des choses positives à dire pour Abed Achou, vous êtes content. Quand il y a des choses négatives, donc, on vous a dit qu'Abed Achou, il est saint. Non, parce que là, mais vous blaguez avec les gens, vous. Non, mais quand vous dites, quand toi tu dis Bolamou, toi tu as vu Bolamou. 149 dans l'Oba qui t'a mouna. Non, mais calme-toi. Ok. Abed Achou, je vais te dire aujourd'hui. Bon. Abed Achou, son rêve était de. Il est encore jeune, mais il voulait déjà voir les noms comme les Cardozo Mamba. Oh. Il voulait déjà voir les noms comme les Didi. Yawili Moucheni. Je te parle des gens qui ont vécu, les Didi Kinoani. Oh. Il veut avoir déjà les noms comme des. Comme des syndicats de colo. Oh. Il veut avoir les noms comme des Bundi Telito. Vous voyez, ça c'était le rêve d'Abed Achou. Ok. Mais aujourd'hui, à travers cette émission, je vais rappeler à Abed Achou, qui est mon frère ami d'enfance. Et je dis ça, je redis d'enfance. Donc ça veut dire que moi. Quand j'ai sorti de ma bouche, vous savez, tout ce que j'ai dit de ma vie, ça se réalise. J'ai jamais. C'est comme si c'est Dieu qui me parle à chaque fois. Il y a de cela plus de 15 ans passés. À l'époque, là, ni toi, ni ces gens-là, même Sankara de Kuta ne connaissait pas Abed Achou. Moi, j'avais dit à Abed Achou, tu seras patron. Je mange mes pieds. Abed Achou, comme il est là, il m'a dit non. Tu es mon frère, tu es mon ami. Tu ne peux pas me dire que tu vas m'appeler patron. Je lui ai dit non. Dieu me montre, pas aujourd'hui, pas demain, pas 5 ans, pas 10 ans, mais un jour tu seras un grand homme de ce pays. C'est moi seul qui lui a dit ça. C'est une prophétie au Salapon Abed Achou. Abed Achou, si aujourd'hui je mens, tous les gens qui parlent à Abed Achou n'ont qu'à lui poser des questions. Même sur Instagram, même sur Facebook, même sur tous ces plans.
C'est moi qui lui ai dit ça. Ok. Mais à l'époque là, il y avait que des amis avec moi et Trésor Banza. On a compris les visions d'Abed Achou. Abed Achou ne connaissait pas Jibin Piana. Nous, on connaissait Jibin Piana. Abed Achou ne connaissait pas Fali. Nous, on connaissait Fali. Abed Achou ne connaissait pas Ouera. Nous, on connaissait Ouera. Abed Achou ne connaissait pas. Donc, vous voyez un peu. Et mon frère, il nous faisait tellement tant de promesses. On savait qu'il venait d'une famille riche. Mais comme il était encore jeune, vous savez, les Libanais ne donnent pas comme ça. Hein. Faut que tu travailles, tu étudies. Il faut vraiment pour arriver là où Abed Achou est arrivé aujourd'hui. Mais mon frère est arrivé là où. Il n'est pas encore arrivé même. Quand ça il est arrivé? Il est encore en route. Il est presque arrivé. Dans le sens qu'il est non. Entreprise. Aujourd'hui, c'est entreprise familiale. Oh. Aujourd'hui, là où il est, quand même, il n'est pas encore arrivé. Ouais. Mais là où il est, il a fait un grand pas. Très bien. Maintenant, son grand pas qu'il a fait là, il a oublié. Mamie, enfant. Ses vrais amis. Logo là, yo. Non, ses vrais amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il nous disait, est-ce que ça lui faisait plaisir de mentir des gens comme nous? Donc moi j'étais quoi? Son chose quoi. Il peut mentir. Parce qu'à l'époque là, moi j'étais Kadogo. Moi, protégé Abed Achou. Avec l'arme. Même sans larmes, ça veut dire qu'Abed Achou, pour la première fois de sa vie, est entré au Fiesta. Abed Achou est entré avec moi et Trésor Banza. Donc, pour la première fois qu'Abed Achou raconte une star de la musique congolaise, si c'est pas moi, c'est Trésor Banza. Donc, tu vois, tout ce qu'on a donné là, c'est ça qu'on appelle un vrai amitié. Attendez. Déjà, histoire de Kota Kaka. Première star de sa vie, qui plaît, qui monte, qui naît, Jibin Piana. Ah, Tilelo. Tilelo. Ok. C'est pour cela, il appelle Jibin Piana papa. Vous savez pas pourquoi on l'appelle papa. Ok. Et parmi tous les artistes, il n'y a aucun artiste qui a les cachets que Abed Achou donne à Jibin Piana. Il n'y a aucun artiste. Vous voyez? Et moi, je connais ça. C'est pas n'importe qui connaît ça. Donc, deuxièmement, Abed Achou, il voulait faire relation de Fali Poupa. Maintenant, quand Abed Achou, comment Abed Achou a connu Fali Poupa? Il faut qu'on se demande. Nous, on connaît Fali. Mais Fali ne vit plus au Congo. Fali vit en France, aux États-Unis. Voilà l'époque. Attendez, là, il n'y a pas longtemps. Quelle époque? Il y a à peine 3 ans, mais même pas 5 ans. Écoutez-moi. Il n'y a même pas 5 ans. Je te parle des choses réelles. Ok. Maintenant, Poli connaît. On a voulu éteindre Fali Poupa. On n'avait pas moyen de l'éteindre. Donc, on commence par son entourage. C'est là où on a fait entrer Soule Kaouka dans l'histoire. Ok, le peintre Soule Kaouka. Soule Kaouka est venu dans cette histoire-là, comme ça, là. Parce qu'on va commencer à rappeler les gens comment vous êtes entré dans des histoires. Pour qu'ils réfléchissent un peu. Bozo qui Soule étant l'ami de Fali, patron. Voilà, non, à l'époque, Soule, il est connu au Congo partout comme manager seulement de Fali Poupa. Il n'y a pas d'histoire de patron. Ok. Il y a des giflés. Écoute-moi bien. Ok. Donc. Non, respecte-moi, c'est mon émission, s'il vous plaît. C'est ton émission? Oui. Qui est l'invité spécial? Donc, il n'y avait pas moyen d'éteindre Fali Poupa. Donc, on a appelé Soule, le patron. Abed Achou, il voulait voir Fali. Raconte. C'est Soule qui a organisé ça. Ok. Voilà l'arrivée de Soule à côté d'Abed Achou. Depuis là. Et Bandawana. Il n'a pas quitté, il est resté jusqu'aujourd'hui. Il a quitté partout sauf là-bas. Comme son ami. Écoutez, il travaille aussi. Non, laisse-moi d'abord. Moi, je t'ai dit comment il est venu. Il était venu seulement pour ça. Donc, si, quelque part, que l'entourage. Vous savez, ce n'est pas Fali Poupa qui doit donner la vie aux gens. Ce n'est pas Werason de donner la vie aux gens. À un moment donné, l'ascenseur doit revenir. Ça veut dire que son entourage doit dire aussi, président, je voulais te présenter un milliardaire. Donc, ce milliardaire-là, je l'ai connu de la part de tel. Très bien. Est-ce qu'on se comprend? Très, très bien. C'est ça que nous voulons changer dans ce pays. Parce que jusqu'aujourd'hui, ne me dis pas que Sankara, comme il est Sankara, c'est Werason. Il n'a pas mangé ses mots. Vous avez écouté tout ce qu'il a dit. Ouais. Vous voyez un peu? Il a cité ses collègues comme les Roger Ngandou, les tout ça là, et tout ça là, Jibin Piana. Vous voyez, donc Jibin Piana, il est entouré de ses amis patrons. Il présente quand même son travailleur. Mais quand ça va devenir que travailleur, il présente son patron à son patron. Ok. Ouais, ben, c'est ça que nous voulons changer. Ok, très bien. Voilà, ça doit commencer. Là, c'est une très belle conception. Nous
C'est nous qui avons amené cette lobbying dès que maintenant le président peut être chez lui à la maison. Nous, on est un mécène, on est un milliardaire, on est un millionnaire, qu'il soit faux ou vrai, mais au moins, quand il donne son art pour chanson, pour dédicace, pour sa visibilité, c'est que nous, on amène ça. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, il ne faut pas minimiser ça parce que c'est ça qui fait d'aujourd'hui que même si nos grands frères là ne font pas des concerts, 10 000, 20 000 peuvent arriver. Mais qui a fait que ça commence à arriver? Il ne faut pas oublier le passé. Aujourd'hui, je voulais juste rappeler cela pour qu'on mette close dans cette histoire. Donc ça veut dire que moi, à part Abed Achou, vous avez cité Sid Boy Manza Kamal Lyon. On a payé ça à 100 000 dollars sans cas de compte à 40 000 dollars. Et quoi, ça est mention? Je ne peux pas entrer dans ces petits débats. Non, on a rappelé quand Maloba Sankan. Ces petits débats archaïques et puis très légers ou légères. Parce que Weranson, je ne sais pas si vous voyez Weranson comme votre ami, comme je ne sais pas quoi. Weranson, je vais te rappeler un peu. Weranson ou Jibin Piana ou Kofelomide, ce ne sont pas vos amis. Amusons-nous entre notre génération ici là. Mais eux, ce sont des papas. Pourquoi tu as dit ça? Ce sont des licornes. Je t'ai dit ça parce que quand tu dis que l'homme qui a donné Weranson 100 000 dollars, Sankara qui a dit ça? Écoutez-moi. Weranson est venu te voir et t'a dit ça. Si Sankara qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit ça. Hein, oui. Parce qu'il a faim. Oh! Il attend qu'on lui envoie quelque chose. Oh, Sankara, à niveau non, attends. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus arriver là. Sankara de Kuta, il voulait se faire plaisir. Vous savez, les musiciens, souvent à un moment donné, ça se passe qu'au Congo, on te donne 100 dollars, tu pars dire à la télé, on m'a donné 10 000 dollars. Ok. Mais, mon frère, tu te tues, tu bloques tes routes toi-même. C'est une flatterie. Non, mais tu es en train de te bloquer. Ok. Parce que celui qui a attendu qu'on t'a donné 10 000 dollars, lui, il allait te donner 10 000 dollars, il a entendu déjà qu'on t'a donné 10 000 dollars. Il dit, bon, les 10 000 dollars là, je vais donner aux autres qui manquent. Donc, tu te bloques. À cause de quoi? Des sentiments. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Weranson, comme il est là, il est devenu millionnaire. Il n'a pas construit son immeuble là avec 100 000 dollars de quelqu'un. Il faut respecter Weranson. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Voilà. Donc, Weranson, ce n'est pas votre ami. Enlevez Weranson dans cette histoire. Moi, je dis, c'est dernier temps. Vous touchez à nos vieux, je vous prends. Oh! Oui. Voilà, tu n'as pas de musicien. Tu touches à un des gens qui ont donné des vies aux gens. Weranson a fait des stades dans ce pays. Vous blaguez quoi? Si vous parlez de Ferre aujourd'hui, c'est Weranson. Si vous parlez de Fabrica, c'est Weranson. Si vous parlez de Robino, c'est Weranson. Si vous parlez de tout cela, c'est Weranson. Si vous parlez de l'autre côté, c'est Jibin Piana. Si vous parlez de l'autre côté là-bas, c'est Kofelomide. Vous parlez de quoi? Ok. À un moment donné, il faut vous calmer. Si vous parlez de moi, vous parlez de Laurent Désiré Kabila. Il y a une différence là-bas, Weranson. Voilà. Donc c'est là où vous tombez. Vous tombez là. Et quand vous tombez sur Laurent Désiré Kabila, c'est là où vous prenez Sid Boy Manza Kamal Lyon. Vous avez vu-même quand vous cherchez des problèmes. Okay. Sid Boy Manza Kamal Lyon, le nom là, c'est moi qui lui ai donné. Manza Kamal Lyon. Oui. Ce nom là, c'est moi qui lui ai donné. Yo. Donc, Sid Boy Manza Kamal Lyon. Vous savez, Sid Boy Manza Kamal Lyon, moi je te parle. Je vais rappeler maintenant Sankara. Est-ce que vous vous rappelez, Sankara, toi tu n'étais pas encore là parce qu'à l'époque là, toi, après les concerts, toi tu rentrais à la maison. Oh. Mais je vais rappeler à mon président Weranson où Sid Boy a vu Weranson ou bien a eu à changer avec Weranson pour la première fois de sa vie. Qui connaît la rencontre de Sid Boy et Weranson? Non, non, bien. Il n'y a personne, il n'y en a que moi. Oh! Dans les jours en où c'est là, yo Weranson, Sid Boy. Ok, Sankara Zala. Et je vais dire ça à la télé. Pour Sankara Banana Wera, c'était à une boîte à l'époque qui s'appelait Manhattan. Quand l'imprévu est mort, moi et Sid Boy, on fréquentait pour nous Galerie La Flair, chez mon ami Saï Saï. Le seul indien à l'époque qui avait une boîte au Congo, à Kinshasa. Ok. Manhattan. Weranson, il venait de faire la promo de Solo La Bien. À peine rentré, ils ont joué au stade. Après le stade, ils devraient aller boire un verre. Il y avait Ouera et Adolphe. Ils sont suivis jusqu'au Manhattan. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé?
Je rappelle à Sid Boy, ce jour-là, lui-même, qu'il puisse se souvenir, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les tiraillements qui étaient là? Je mets Trésor Mayele, il est encore vivant témoin, je mets Tonton Lissik à Lusto, était témoin parce que c'est eux qui ont calmé. Mais moi, je prie Sid Boy parce que ce jour-là, moi, je ne voulais pas tirer. Ouais, ce jour-là, je ne voulais pas tirer. Ok. Donc, je suis avec mon chef. Mais, mon chef, si j'écoutais ce que mon chef me disait, aujourd'hui, je n'allais pas être comme ça. Moi, je n'écoutais pas mon chef. Moi, j'étais déjà, ça dépassait l'amitié et l'amour que j'avais pour Sid Boy. Même si on me dit, reste ici au travail. Moi, je vais seulement chercher là où il y a Sid Boy. Comme ça, on va pour nous rester toute la journée. On va aller manger à gauche, à droite, boire et tout ça. Parce que Sid Boy, à l'époque là, il avait un petit agent pour qu'on s'amuse un peu. Donc, il était un frère pour moi. Il resterait un frère. Mais ce qui est des choses, c'est qu'à un moment donné, ne voulait pas qu'on puisse rappeler vos passés. Moi, je suis là, si je peux commencer à rappeler. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Hein? Les gens qui ont vécu à l'époque de Mobutu, moi, je ne connais pas. Ok. Moi je te parle à partir de 97 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais quitté Kinshasa. Donc ça c'est ma ville. 97 jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Sid Boy, c'est là où ils sont connus avec Werrason. Le gars de corps de Werrason, il voulait faire mal. Moi j'ai dit, c'est lui qui va essayer ici là. Donc pensez ma cour. Vous savez pourquoi? Ouais, ma maître Kinshasa là qui? Tous ils étaient là. Ok. Ils s'habillaient noir avec des blassards rouges, avec des chiens, des pitbulls, les chiens bergers. J'étais là ce jour-là. Voilà, succès fou. À la fin, ils sont même plus entrés en boîte. Ouera a dit à son entourage, bon, quittons ici. Moi, je suis resté avec Sid Boy jusqu'à 5h du matin. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour Sid Boy Manza Kamalion que vous appelez là. Moi, je ne peux pas vous dire son vrai nom parce que ça, c'est juste son surnom. Vous voyez? Lui seul, il sait que Yorobo, il est le seul de connaître mon vrai nom parce qu'il est mon vrai gars. Mais, je suis très mécontent que Sid Boy, il peut devenir multimillionnaire. Moi, même pas moitié de millions. Oh! Non, moi, tu vis bien, tu roules bien. Non, calme-toi. Mon frère, il faut éviter de prendre les photos avec les riches. C'est devenu maintenant malédiction. Oh! Oui. Parce qu'aujourd'hui, si je prends une de mes photos, de moi avec un homme que vous êtes en train de parler, si je jette dedans là-bas. Maintenant vous regardez. Ça vient de quand? Maintenant vous avez dit quoi? Donc ça veut dire quoi? On s'est connu pour faire quoi? On s'est connu pour union, d'être unis. Laurent Désiré Kabila, mon papa, paix à son âme, il nous traitait tous pareil. Il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas de petits, il n'y avait pas de hauts, il n'y avait pas de bas, il n'y avait pas de généraux, il n'y avait pas de liquides. Donc quand on est arrivé là, on était soudés, on était tous pareils. Il y avait que certaines qui étaient un peu plus âgées, qui ils avaient un peu moyen de réfléchir. Quelqu'un comme moi qui ne réfléchissait pas, ou blaguer avec moi, je tire. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, Sid Boy, qui ne puisse pas oublier, son premier jeep de sa vie, c'est Tyranno. Maintenant, les Tyranno là, tous ces gens qui parlent aujourd'hui n'ont pas monté dedans. Hein. Sa première voiture, c'était la voiture de Saddam Kungulu. Celle qu'a la grise là, avec plaque équateur. Qui a monté là-bas, si ce n'était pas moi? Donc, à un moment donné, moi, je ne peux pas vous dire patron, tant qu'on sait que moi, je suis à côté du patron, moi-même, je suis rien. Est-ce que les gens ils vont respecter mes paroles? Donc, ils vont me voir, j'étais en photo avec Honorable, j'étais en photo avec le Premier ministre. Mais quand vous avez quitté le Premier ministre, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Donc, ça veut dire que vous êtes des antivalets. Quand vous allez voir le Premier ministre, il faut donner vos arguments. Il faut dire que non, papa, dans mon métier, artiste que je suis, il ne faut pas venir singleton en disant, soit pour l'individu, non, si tu me donnes seulement, c'est bon. Eh là, il faut pas qu'entendre. Non, il faut défendre l'unité là. Il faut défendre tout
les artistes congolais. Donc ça veut dire que vous avez l'opportunité de croiser le Premier ministre. Il faut le dire, Papa Sam Alukonde, monsieur le Premier ministre, on a un problème ici dans notre pays. Nous ne gagnons pas nos droits d'auteur. Papa Sam Alukonde, comme vous voyez, nous, notre ministère de la Culture, ce n'est qu'un nom. Il faut dire ce qui vous venez de droit. Très bien, Yorobo. Vous voyez un peu. Évolue, s'il te plaît, parce que la télé, c'est à côté de Sir Boy, ouais. Il faut arrêter tous ces antivaleurs qui peuvent vouloir me dire quelque chose qui est pour quelqu'un. Qui est antivalère. Non, mais moi quand quelqu'un... Parce qu'ici, on cite les noms de Sankara qui a raconté des non, histoires... Non, Sankara, c'est là qu'il maintenant, je parle en français, vous comprenez. Ah, Sankara, c'est là qu'il a quitté. Ah, Sankara, c'est là qu'il a en tout cas, mon collègue, mon épaule, il y a qu'à répondre. Mais est-ce qu'on répondre, Nini? Yo, il y a eu Batou, à peine deux ans... À travers Yopé. Voilà. Ok. Sankara, comme il y a Bounia. Na ouera, son bagbe ta conseil na Bounia. Allo, qui c'est le boys, mon biman, Bounia, mon babou, Asa na numéro neti habite yoroboka abenga boye natali bonabi ah bon patrango ayambaka na yepete akabaka pete bandanga na ye 23 ans yango ya kindeko ata keti ya pamba ya $3000 na zwati ata bomoni nzembo na kuso nzembo yoka pasi mtama beza yoka Yoka nanu, oyeza nzembo ya, oyeza nzembo ya, fule lukisu chinois. Nzembo ya bimina 2021. Donc ils attendent la liste mouti. Les champions adorent. Sika baya wili. On vérifie. On non, on vérifie l'état de vérifier d'abord la chanson. Tika makamo. Ah baya wili. Moi j'ai fait mon travail. Oh li fwende. Oh li fwende. Oyeza nzembo. On a go kata soana. Zela e kata e kota mingite. E kota. Soana ga. Soana. Yoka. Enrique Mandala Akabela. Yoka. City Boy. Mazaka Mayor. Très bien. Donc, na zo biso ke de obora dédicace soit dédicace ya boye. Dédicace à boye pour musique kata. Donc, on peut pas couper la musique pour citer quelqu'un. Papa, vous savez les morceaux ici? Il n'y a aucun Congolais qui a fait un morceau qui a tourné comme celle-là. Il n'y a aucun Congolais en 2021. Il n'y a aucun, je te dis, tous les Congolais, leurs morceaux ont cartonné, oui. Mais il n'y a aucun Congolais qui a fait un morceau comme celle-là, qui a tourné le monde entier. Ça veut dire que vous allez à Pologne, vous dansez ça comme si c'était la chanson des Polonais. Vous allez à République Dominicaine, vous dansez ça avec les Dominicains. Comme si vous allez, si vous avez, vous croyez que j'ai mal, entrez sur Instagram, tapez hashtag Lifuende. Vous allez voir, ça va vous sortir. Lifuende Challenge. Plus de 20 000 vies. Maintenant, regardez, il n'y a pas de Congolais qui ont dansé dedans. Que des blancs. Donc, vous voyez un peu par rapport à cette histoire. Maintenant, je vous dis, pour que d'autres en 2021, je ne vais plus mentir. Si tu n'es pas mon patron, je ne vais pas t'appeler patron. Si je ne vais pas chez toi, en tout cas, je suis. D'autres gens disent, oh, c'est l'ingratitude. Oh, c'est mon frère. L'ingratitude. Toi, tu penses que quand moi je parle là, je passe seulement pour parler. Vous savez ce que moi j'ai eu à faire pour ces gens-là, personnellement. Vous ne connaissez pas, il faut vous taguer. À un moment donné, taguez-vous. Vous ne connaissez pas, il faut laisser. Faut dire que ça, ça ne nous regarde pas. Très bien, ton compagnon, voilà. Évoluons. Maintenant, troisième personne que vous avez citée ici, Soule Kaouka. Autant de histoire, n'aïe. Non ! Soule Kaouka. Soule Kaouka, moi je lui ai connu. On a tous évolué ici là. Maintenant, je ne l'ai pas insulté. Mais tu te souviens dans ton émission, j'avais dit que la façon dont on avait dit qu'il y avait chef Soule et chef Machin, j'avais dit que moi, Soule Kaouka n'est pas mon chef. Moi, je connais Soule Kaouka le jour que Fally a connu Abed Achou. On a une histoire au Maloba qui est au non, papa, attendez. Oui, non, il me semble. Donc, Fally Ipupa, grâce à lui, il y a des gens qui ont gagné des vies. Très bien. Gagné des vies là. Il n'y a aucun qui est millionnaire. Aucun qui est millionnaire. Voilà, donc vous voyez tout. Soule, c'est un millionnaire. Non, mais papa, vous, quand vous parlez de millions, ça veut dire que, moi, tout ça que je voulais te dire, un patron ne travaille pas chez son papa. Et puis, un patron ne travaille pas pour quelqu'un. Un patron reste un patron, c'est lui qui a des travailleurs. Donc, calme-toi. Le jour que tu vas voir quelqu'un qui a des travailleurs, lui, c'est un patron. Ouais, ça, là, comme papa n'a été. Comme. Ah, okay. Lycien et Bata, comme Kouka César, César Kouka, comme Michael Dylan et toi cette étoile, comme Fab
Issa Wenyon, le patron des patrons de la Côte d'Ivoire. Comme Jusqu'à Benguele, l'homme des immeubles. Comme qui d'autre? Aïe, 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 aïe. Le comme le Col Blanc, Joël Kabouya. Comme... Kenny Mumba Armelou, patron. Maman Emeline Temba. Il y a tous peuplé en béton. Quand on commence à parler des vrais patrons, ils sont même payés. Hein. Comme Papa... Vous vous appelez Papa Ledia. Moi, je l'appelle Papa Lengo. Voilà. Son vrai nom. La personne que Gauthier Mascotte connaît, il y a Gauthier Mascotte. Comme PDG Willy Etoka. Bon, je voulais dire Sid Boy, mais Sid Boy, son argent, il a gagné ça quand Joseph Kabila lui a donné le travail. Donc ça veut dire qu'il est, il est aussi patron parce qu'il Non, il m'a pas convaincu. Ses employés, moi je connais pas. Okay. Moi, il doit me faire. Moi, je dois voir sa grandeur. Ok. Le jour que je vais voir sa grandeur, je vais filmer. Je vais dire, voici le passé de 23 ans enfin. Ça paye. Parce que jusque-là, je comprends rien. Je ne sais pas si c'est argent pour fétiche. Donc, si c'est argent pour quelque chose. Pourquoi tu n'as pas la possibilité donc, d'accepter sous les chaos qui t'appartient. Je ne connais pas, je connais quand c'est travaillé. Ah, ok. Oui, c'est ça. Pour au lobby à Salaché, à Bédachou, mais Sankara lobby n'a mis son nom à Salana, Benana primature. Est-ce que, quand vous, quand Fati, écoutez-moi, c'est pour cela que nous avons dit Fati Beto, comme nous avons dit Boloko. Là, je reviens de ma langue natale pour vous expliquer. Boloko. Oya komeka na fati beton, ago ume la te ya kolongwa. Oya komeka na mokonza mboka, ago ume la te ya kolongwa. Ofinga mokonza mboka, oko kende na bolo. Simba ye, oko kende. Oyiba mbongwa leta, oko kende na boloko. Oko kende. Simba ye, to lega. Prison. Boloko. Prison. Ezo ze la bino. Champion, tu es la mélancolie. Na ebi si yoke. On a compris. Maintenant, ce que tu as dit, c'est que moi, c'est le cousin. Moi, mon père, il était ami de Fati. Tu as dit que 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 je travaille à la prématie. Pour travailler à la prématie, la recommandation, là, chef de l'État, quand il a dit conseiller de Samalou Kondé, tel messier. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, et puis quand on intimide quand il a sa prématie, à table il a sa prématie, il peut pas m'intimider ngamoko, mais c'est le premier ministre n'a pas pu revenir nga aye nga koleka bango tout ngamono na betele to loto donc ko kende na ngou na ba jewana te poste na mona na voilà te za makambo wana te considération et lobby quand tu photo monana. OK, vous comprenez tanga na zo ba ke boloko ye IGF en action. Et ça peut tout longo là bas tabac trafic de fliers que bah voyons même ça sous les gambou pamba à ça la raconte t'es gâté Sankara gâté ceux qui asana chef moka ça la rapa na primati ça veut dire que y était muda ça la raconte. OK, s'il vous plaît. Et puis donc on pense sous les quelqu'un qui a été comme un manager d'un musicien donc à cause on a capacité aussi de travailler un manager. Il y a pas mal de choses. Kozana mo ko manager ko manager républicité. Mais république ba manager ngoka na ba simple ba tout boy. Ozo république na biso ko la moi fufu to masangu to le ko moko ka bela batu. Non. Yango moni yoroboye pembeni ay ko rappeler batu. Ke yo ko za pembeni na papa fatite. Wa muyibi. Oh. Oyibi ba ngo nyoso. Tu. Yo tete yo pete wa muyibi. Mais ce qu'on va te dire, la minute, yo. Te belle ba lo ba ke non un ayo et outi beaucoup plus et surtout sans carapé lo ba kabi il faut on a beaucoup de respect pour na fali pour pas ou asa leader na yo ou asa leader d'opinion ça influent plus que yo au manquer ba respect au moni Sankara c'est tout à fait normal, il peut que défendre son ami d'enfance. Bon, son ami d'enfance, moi aussi Sankara c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis ça fait 23 bon, ans. Fali, bon, fali baguette. Bon, fali aussi on se connaît ça, fali moi je connais Sankara avant Fali. Oh. Fali, je connais 2 ans après, je connais Fali. Ah. Donc, je connais Sankara à 97, je connais Fali à 99. Okay. C'est deux choses différentes. Maintenant, ce que Sankara il peut dire, ça dépend que de lui et de ses propos. Maintenant, je vais te dire quoi. Sankara, il peut dire ça. Moi, Fali, je peux l'appeler leader parce qu'il est leader. Je vois qu'il a donné du travail à beaucoup de Congolais. Leader entre lui et ses employés. Oh. Leader entre lui et ses travailleurs. Et comme ça, je peux lui respecter. Bon, non, moi, tant que c'est mon collègue.
Ok, on a oui, bien oui, collègue. C'est collègue. Fali. Oui, c'est on a bien prêté. Non, si je l'appelle, lui aussi va m'appeler président parce que okay. Moi aussi j'ai mon groupe. C'est-à-dire moi je ne travaille pas chez lui. Ok. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est, dans la vie, il ne faut pas vouloir intoxiquer ou bien calomnier les gens dans les choses qu'on n'a pas dites. Fali Poupa, c'est un patron, c'est un leader de l'opinion, c'est un président chez lui. Oh oui, avec ses employés. Mais à Yoté. Non, pas moi. Ok. Oui, pas moi. Okay. C'est pas mon leader en tout cas. Ah, c'est pas mon leader. Viens au Kofi Olomide de Nassana Gissasati. On peut regarder comment il m'a accueilli hier. Kofi Olomide. Oui, oui. De Moloki. À la maison. Au Kossi. De 15h à 23h. Vous voulez même pas me laisser. Kofi Olomide. Oui, oui, oui. Suivez d'abord cette image et puis on va se retrouver tout juste après pour la continuité de cette émission. Ça, c'est pour faire plaisir à Tim Skabenge, l'homme des immeubles, à Venimo des immeubles. Merci à toi. Et puis il y a Willy Pensene Notier, Congolais, Français, Américain, triple nationalité. Suivez ça. Merci. Mon frère, félicitations encore, je peux toucher? Oui, oui, papa. C'est la fierté des... Voilà, ouf, c'est du lourd. Oui. Au sens propre du terme. Bonne santé à vous et faites-vous vacciner. Magoumole l'ifandende, le gamo pao. Mera yoka bien, mera sepela. César Kouka yoka bien. César Kouka zaliawa. Fanny Mangaya, Yoka. Épelele. Les Chinois, le VIA a dit qu'à septembre, à Abidjan, il m'a avoué. Le 11, le 14. Le 11 et le 14. Ouais. Donc, septembre. Apprêtez-vous, on va remplir là-bas. La Chine populaire sera au rendez-vous. Vive la Chine. Fabrice Aouignon, le boss. Alors, fidèles internautes, tous, nous venons de suivre cette belle image de Yorobo Swag, le père de la nation, et puis Dobolo King, le maître des doubles des mers, l'éléphant d'Afrique, Kofi Olomide, qui est à Kinshasa. Après avoir au Salamba pays, bah, différents pays, enfin, Kofi Asana Kinshasa, Ayambaki, Yorobo Swag. Yorobo Swag, le père de la nation, non, vous avez nous sommes Kofi Olomide, à peine rentré, le premier artiste est entré dans sa maison, Yoro. Oui. Kofi Ayambio, Bodo Seka, Bodo Seka. Voilà. Mais moi, Kofi Ayambio, considération de grand frère, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Kofi Olomide. Oui. Vous savez, nous, on a des courageux, on n'a pas besoin des gens comme nos grands frères musiciens. Vous savez, Werason, je ne peux pas aller chez Werason pour demander 100 dollars. Ça serait un voûtement familial. Je ne peux pas aller chez Werason pour demander 200 ou 500. Donc, je peux aller chez Werason pour dire papa. Aide-moi à devenir quelqu'un là-bas. Kofi Apesayote. Ne me donnez pas à manger. Montre-moi comment prêcher. Kofi Apesayote. Non. Maintenant, Kofi Olomide, que ce soit Werason. Lui-même, il peut dire, Yoro, va boire du champagne. Oui. Avec pour Kofi, la, c'est possible. Pour la première fois de ma vie, que j'ai joué chez des Blancs à Kinshasa, ça veut dire que restaurant des Blancs au Poeta. Qui puisse produire un Congolais, Yorobo Swag, en plein restaurant. Je te dis qui était l'invité. C'était qui? Werason. Oh! Le roi de la forêt. Il est venu. Il avait oublié. Lui, il était venu, il pensait que c'était seulement mon anniversaire qu'on était en train de manger entre nous. Vous voyez? En ce moment, tout le peuple, quand il passe à la route, il voit Yoro, il sait que Yoro, il va parler la vérité. Yoro, en ce moment, c'est la vérité. On a beaucoup menti notre président. On a beaucoup trompé notre chef de l'État. Yoro, il commence à venir maintenant en mode genre, on va se rallier, on va s'adhérer, on va s'adhérer. On n'a plus besoin de s'adhérer sur, à Union Sacrée. Union Sacrée, on a bloqué des portes. Ok, d'accord, tu es épuisé ma minute. Donc vous voyez un peu. Vraiment pratiquement sur un chrétien habitué. J'ai vu que j'ai passé une bonne soirée hier avec mon, avec grave, avec mon vieux père Kofi Olomide. Et en plus, il m'a invité. Il m'a invité au mois de septembre, même mois de septembre. Il m'a dit qu'il a des concerts au début de septembre à Abidjan. Oh. Comme vous avez vu dans la vidéo, là, j'ai dit en septembre, on a début, ok. Oui, donc, on a la vidéo, okay. Voilà, donc ça veut dire que vous me verrez. Il m'a invité, non? Oui. Mais arrête. Lui, c'est Diablo King. Arena, je serai là-bas. Oh. Mais après le 17 septembre, Werason, c'est la 6 novembre. Non, 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 non. Werasonga. Non, 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 non. Faut okay. Me demander. Natouni, Werasonga, pas ok. Bakali. Ouais. Bakali. 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 Yorobo Swag. Bakali. Le père de la nation. Mon ami. Mm. Mon ami,
aujourd'hui Joseph Mufula qui est devenu honorable. Ça ah, t'a pas parlé. Joseph Mufula, ok. Voilà camarade Nayo, hein. Ok. Vous avez pas vu que dans le passé, il y avait un président Kadogo. Joseph Kabila, le père très de bien. La démocratie. Oui, c'est Kadogo. C'est de bon manzak à Lyon. Donc ça veut dire que à un moment donné, quand vous respectez d'autres, il faut me respecter. Non, hein, respect. Donc ne me mets pas déjà. Comme si tu as reçu quelqu'un de. Non, 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 non. Mon vieux père Werrason a vu en moi ce que beaucoup de gens n'ont pas vu en moi. Il m'amène au Zénith. Après Zénith, j'ai des concerts à faire aux États-Unis. Avec qui? Avec Werrason toujours. Ok. Après les États-Unis, maintenant j'ai mes propres concerts au Canada. Donc il y a des shows là-bas que j'ai fait des shows, des mariages, des plein de trucs. Ouais, faut m'imaginer journaliste pour la maintenant. Image. Non, ça peut se faire, mais maintenant je suis en train de trouver qui il peut faire que qu'il puisse payer les billets de Presse Bakali parce que bon, Abedachou n'a pas l'argent pour payer ton billet. Oh oui. Yeah. Oh Sid Boy. Yeah, faut laisser. Ils ont pas. En fait, hein, ils ont de l'argent pour faire d'autres choses, pour, mais bien pour répéter la galerie, mais pour aider moi, les frères, qui qu'on a grandi ensemble. Ah, ça c'est un problème, parce je sais pas, c'est là où je comprends pas. Et puis, j'aime pas forcer, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous ne se connaissons pas vraiment spirituellement. Hein. Donc je sais pas, quand quelqu'un te donne pas son argent, il faut pas trop réclamer. Merci Sané Philippe, voilà. On reçoit le Père de la Nation, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, de te recevoir sur clébois.com. Bon week-end à toute la... Bon week-end à ma nation. Bon week-end à ma nation. Paris, rendez-vous toujours le 17 septembre au Zénith de Paris avec mon vieux père Werrason, le roi de la forêt. Mister Zénith est là. Je vais croquer Zénith de Paris. Oh oui, je vais de Paris. Je vais écrabouiller Zénith de Paris. Bon, je vais mettre à terre Zénith de Paris. Oh, Magouma le livre, Magouma dadu. Nanikuta de Zagwamie, Igina Gwame. Emma Louise. Fabrice Zawenyo, Fenden, Kenny Mumba, Fenden, Dede Lukasi, Fenden, Sheriff Gadjo, Fenden, Willy Pensienne, Fenden, Champion Wadou, Lucas César, Fenden, 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 Kuka César, Nixon et Boutique qui fouendende, César et Dani Chandou qui fouendende. Tu commences à gâter mon émission. Ça va finir, merci, c'est un grand plaisir. C'est ça qui me fait rigoler avec toi. Ouais. Quand moi, je dédicace des grandes personnes, des grandes personnalités comme Kouka César, César et Kouka, l'homme qui est en train de traumatiser les deux Congo à ce moment, l'homme du moment. César Kouka. Papa, ils ont traumatisé des Congo. Il y a qu'à Bagaba 100 dollars. Tu passes au bureau, au légué bureau, quand tu viens de César Kouka. Au coma, au Zuka, 200 dollars. César Kouka. César et Kouka. Yassalawat. Kouka. Kouka. Après la pluie vient du beau temps. Et vous nous avez fallu. Kouka, mais le beau vent. Quand tu m'as fallu. Après la pluie. Voilà, il y a fallu. On va traumatiser. César Kouka a traumatisé. Part il passe, il casse, il est louchi au Komonango. César Kouka, papa, au Lekibango. Merci, en tout cas, ça n'est fini. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre prochaine numéro avec un plaisir papa de vous laisser accompagner au bonsoir. Merci, mon patron de la nation, Manga Pichibos Lady. Et Franklin Massiala, merci. Il y a Marie Elle Lino. Mon frère, bon week-end à toute ma nation. C'est le père de la nation. Voilà, la Côte d'Ivoire, achetez vos billets. Oui, je rappelle que la communauté ivoirienne, le 17 septembre 2021, soyez tous au rendez-vous au concert de notre vieux père Werrason. Merci. Werrason qui est un des parrains de fait DJ Arafat Yorobo. Donc ça veut dire que venez parce que les minutes là sont à compter. On va commencer par Jonathan. Jonathan, Malelo, Mamous. On prend. C'est un coup pour aller, Moutala Koudile. Et Koulubelanga de l'Ande. Et Moutoko, tu comprends des soins de live. Merci, au prochain numéro. Vous allez tous découvrir toute sa merveille. Je te dis que la Côte d'Ivoire, communauté ivoirienne vive à Paris. Encore une fois de plus, très bien habillé. Yoro Swag, moi je te dois du respect. Papa. Depuis que je commence à fréquenter des vrais patrons qui ne promettent pas, qui réalisent seulement,
Vous avez vu, j'ai changé. Hein. Même le ventre bizarre est parti. Okay. Même les pantalons là comme ça est parti. Okay. Même la beauté. Donc, je sens maintenant ma beauté dépend de ma nation. N'attentir. Hey. Hey, bah ministre. Miyibi. Bye. On va te mettre là-bas. Bah, on bloque yo. Donc,